Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Ça a cuit une fois de plus sur Aya Roberts. Il y a quelques jours, elle avait fait une sortie sur le couple LGBT Sam et Sacha. En plus de ça, elle a rajouté Yelen Bio Detox, elle a rajouté Coach Amon Chic. Bref, elle a mélangé tout le monde. Mais là, c'est en train de se retourner contre elle. Hé, Aya Roberts. Hé, ma chérie, toi aussi. Tu aimes te mettre dans des palabres pas possibles. Tu fais des palabres où tu mélanges tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est que ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui, là, elle avait déjà dit il y a quelques mois. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes mélanges. Faut conseiller à Aya Roberts, vous aussi. Bref, courage à toi, Aya Roberts. Essaie de changer un peu. À l'heure où je vous parle, Sam Tae dit que trop, c'est trop. Elle a fait une sortie fracassante là, actuellement, maintenant, sur Aya Roberts. Et Sylvia est venue renchérir. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je ne parle plus. On va suivre cette affaire de très près. Parce que là, c'est grave. Vivre pour les caméras, là, c'est pas bon. Toi, Marie, là, Aya Roberts, arrête de donner de l'importance sur les réseaux. Tu comprends ce que je te dis? Parce que tu n'es personne, en fait. Comme Yelen dit, tu es la dernière de la classe, en fait. Tu comprends? Arrête de faire genre comme si toi, tu es trop belle. Et puis, moi, je ne sors pas, elle est vilaine personne. Tu as compris? C'est à cause de ta laideur que je ne suis pas partie quelque part avec toi. Tu comprends? Je ne sors pas avec les vilaines personnes. Tu comprends? Je pense que tu connais un peu mes ex. Quand tu les regardes, et puis tu te regardes, et puis tu regardes ma femme qu'elle a là. Vous êtes même chose. Tu n'as aucune culture. Tu es bête. Tu n'as aucune valeur. Moi, Sam, tu ne peux pas me mettre à côté d'une fille qui est aussi bête que toi. Tu comprends? Quand on est faisant nos conneries de 2015, c'était une bêtise de nude que tu m'envoies. Même si je montre ça à mon chien, il ne va pas s'exciter là. Tu comprends? C'est vrai que tu dis la nom de la fille que tu as mis dedans que non, elle a dit quoi là même? Que je lui demandais, je lui disais qu'il était fan de toi. Tu es menti. Vous vous mentez entre vous là-bas. C'est faux. C'est faux. Toi même quand tu as compris comme ça que tes amis t'ont dit que faut pas te causer mon nom. Tes amis t'ont dit ça parce qu'ils ont vu ça de loin en fait. Tu n'es pas mon genre. Tu as longtemps tu n'es pas mon genre. Maintenant mais tu as grossi un peu. Avant tu t'aimes mais ça. Tu n'es pas mon genre. Moi Sam je ne sors pas avec les vilaines filles. Tu comprends? Ton visage de Réna là je n'arrive, je ne pouvais pas supporter ça. Tu comprends ce qu'il t'a dit là? Tu comprends? Voilà. Ce qu'il a fait là, tout homme, tout Yossi fait ça. Je m'ennuyais. J'avais goumé d'une fille qui est sortie ici à Londres. Là. Elle était à Abidjan sur moi. Toi, tu sais. Il y avait goumé d'elle. Voilà pourquoi il causait toi. Voilà. Et puis, il causait avec. Marie, il causait toi. Toi, tu dis, c'est toi. Enfin, Marie, il causait toi. Il causait avec une autre fille encore qui s'appelle. Il causait avec Fraise. Et puis, tu as su ça parce qu'elle m'a posté sur son snap. C'est là que ton goumé a commencé. Tu as commencé à pleurer. Tu comprends? Voilà pourquoi il n'est pas continué la relation. Si moi, je voulais de toi là, tu n'allais pas. Parler, tu pouvais même pas participer à fond de moi-même. Et c'est ma part de donner l'importance sur internet. Paye, on te regarde. Paye, on te regarde. Toi-même, t'as une ligne que tu m'envoies, tu caches ton visage, moi. Tu sais que tu es vilain, c'est pas pourquoi tu fais genre, tu sais ça. C'est lui qui a continué à passer pour toi et puis tes abonnés qui te ressemblent. Vilaine fille, tu comprends? Arrête de parler de moi. Toi, t'as dit non, tu es vilaine, femme veut pas de toi, garçon veut pas de toi. L'homme s'est trompé un peu pour te parler un peu, tu te donnes les gens sur internet. Arrête ça, hein. Toi, par contre, tu as payé l'amour de Sam. Tu as payé quand Sam a joué ton amour. Sam a joué ton cœur. Elle a joué tes sentiments. C'est Sam qui le dit. Hein. C'est ça, on dit, voilà les preuves. Oui, oui. Sam a joué tes sentiments. Et puis, elle t'a déposé. Ça y est, tu n'as même pas pu même toucher la bouche, même la peau de Sam. Tu n'as pas pu. Tu as rêvé du corps de Sam. Tu as rêvé comment est-ce que tu allais prendre le corps de Sam. Tu as rêvé comment est-ce que tu allais prendre le nœud de Sam et comment lécher ça. Tu as rêvé comment Sam allait te lécher. Toi, ton vilain con, ton sale con là, tu penses que Sam peut entrer dedans. Ton ancien aussi qui est vilain qui vit à Londres là. Je pense qu'elle t'a laissé parler ton compte est pourri, non. Elle t'a déposé parler ton compte pourri, non. Donc toi qui as compris qu'elle allait te prendre. Tout le monde savait que tu as compris. Elle sait que tu as compris. Donc elle a fait quoi avec toi? Elle a fait quoi avec toi? Saleté de merde. Tu perds ta vie sur TikTok.
C'est Sacha qui l'a belle la dernière fois sur son live là. Elle raconte à tout le monde là-bas. Oui, c'est mon ex. Elle est un genre. Elle a menti. Donc les filles là pensent que non. Ça, mais c'est faux. Elle ment. Tu mens sur ton pétou. Tu mens sur le pétou des gens. Hein? Il y a que tu n'as pas la paix. Tu veux mentir pour dire que tu as la paix. Il y a que tu n'as pas. Tu es une lèle rêveuse. Une lèle qui rêve du nid de ses camarades. Tu as un con pourri. Aucune lèle ne peut aller rentrer là pour lécher ça. Parce qu'on dit lèle, il faut lécher le nid. D'accord? En plus d'être vilaine, tu es sale. Il faut être propre. Pourquoi on pourrait t'en parler aux gens? C'est toi qui es sale que les gens refusent de coucher avec toi. C'est toi qui as payé l'amour des gens et puis on joue tes sentiments. Donc comprenez que tout ce qu'elle fait comme invention, sa vie en réalité. Et elle allait payer le gars. On ne t'a mis pas dessus pour déposer. Le jour que tu as trouvé un homme qui va t'aimer avec tes défauts là, faut revenir avec moi. Idiote, tu n'as pas ça dans ta vie, tu es inventé. Vous avez vu, c'est très grave. Moi, c'est Indiana Chelet. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Restez connectés.